Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de Solus de Final Fantasy VIII. On vient de quitter la prison du désert et avant de rejoindre la base des missiles, je partage avec vous une astuce qui permet de faire le plein de guile. Pour cela, il vous faut vous rendre dans le magasin d'objets de Deling City et avoir appris la capacité créa magie terre d'Ahuri qui vous permet de créer des objets thérapeutiques. Achetez le maximum de Red Cross et transformez-les en méga potions grâce à cette capacité. En les revendant juste après, vous pourrez faire un bénéfice intéressant, 250 guilds par Red Cross, ce qui représente 25 000 guilds pour 100 Red Cross achetés. Après que vous vous soyez rempli les poches comme il se doit, revenez aux choses sérieuses en prenant la direction de la base des missiles. Vous verrez qu'il suffit d'y pénétrer avec votre véhicule pour entrer dans la base comme si vous faisiez partie de l'armée. Entrez dans le bâtiment par la porte tout à gauche de l'écran avant de déverrouiller la porte de gauche en actionnant le bouton situé entre les deux portes. Vous allez voir que vous aurez plusieurs fois la possibilité d'affronter des gardes dans cet endroit. Je vous recommande de ne pas le faire afin de faire monter votre expérience au minimum et c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Avancez de quelques pas pour qu'un choix vous soit proposé. Choisissez de marcher tranquillement afin de passer devant le garde sans avoir à l'affronter et partez rejoindre l'écran de droite. Allez une nouvelle fois tout à droite pour descendre l'escalier. Une fois en bas de celui-ci, passez derrière pour accéder à un nouvel écran. Une source de magie cécité vous attend ainsi que deux gardes. Parlez aux gardes du haut pour qu'ils vous confient une mission. Repartez à présent à l'écran précédent et entrez dans la pièce au-dessus en passant par la porte de fer gardée par un soldat. C'est au soldat le plus en haut de l'écran qu'il vous faut vous adresser pour lui dire de ne pas attendre. Avant de repartir, parlez aux gardes qui vous avaient confié cette mission, pensez à récupérer des magies Vimax sur la source cachée dans la pièce. Vous voilà affublé d'une nouvelle mission. Le garde auquel vous devez maintenant vous adresser est le premier que vous aviez croisé dans la base. Entrez dans la salle et videz la source de magie Glacier Plus qui s'y trouve avant de toucher le tableau de bord. Choisissez d'appuyer n'importe où avant de cogner dessus à plusieurs reprises pour déclencher l'alarme. Sortez maintenant de la salle pour être interpellé par deux soldats. Répondez-leur, discutez, puis on allait vous appeler pour vous débarrasser d'eux sans les affronter. Reprenez maintenant la route vers la droite et approchez-vous de la porte centrale en fer pour être interpellé par un autre soldat. Pour ne pas provoquer de combat, choisissez les options « Cela jouer cool » puis « Les aider ». Vous devrez ensuite le suivre dans la salle pour rejoindre les autres soldats et les aider à pousser le chargement tout à droite.
Ressortez à présent de la salle de chargement et allez sur l'ordinateur situé à droite de la porte. Une fois connecté, allez dans le menu Target puis Set Error Ratio pour charger la jauge à fond. Vous n'aurez ensuite qu'à aller dans le menu Data Upload et sélectionner Yes pour enregistrer la modification que vous venez d'apporter. Quittez l'ordinateur et allez parler au soldat qui garde l'escalier en bas à droite pour pouvoir accéder à l'étage. Avant de monter, préparez-vous quand même un peu car un combat inévitable vous attend. Je vous conseille d'ailleurs de vous protéger contre l'altération d'état folie qui pourra vous causer quelques soucis pendant ce combat. Vos adversaires ne sont pas très forts, mais comme je viens de vous le dire, vous pouvez subir l'altération d'état folie, qui est assez pénible. Notez aussi que vous pouvez voler des magies foudre, folie, boomerang et somnie. En pillant le soldat habillé en rouge, vous pourrez récupérer en fonction de votre niveau un saint doux ou un red cross. Ceux en bleu vous donneront des potions, des hypra potions ou des MT psy. Rien de très intéressant pour ce combat, éliminez-les rapidement car le plus intéressant arrive un peu après. Allez maintenant vers l'ordinateur du fond pour que chaque personnage prenne le commande d'un ordinateur. Allez ensuite vers celui de Linoa qui semble être le bon. Vous devez ensuite enclencher le processus d'autodestruction dans la salle du fond. Optez pour 10 minutes qui, bien qu'étant la durée minimum, est un temps raisonnable. Sortez ensuite de la pièce pour vous retrouver près de l'entrée. Sortez du bâtiment et dirigez-vous vers la droite par deux fois pour vous retrouver nez à nez avec votre prochain adversaire, le boss Omniborg.
Omniborg possède les magies Blindage, Carapace et Stop, l'occasion pour vous de faire le plein. Toutefois, il ne possède pas d'objets à piller, il a 3 points faibles, la foudre, la terre et l'eau. Utilisez donc les magies et G-Force appropriées pour faire tomber ses points de vie rapidement, car certaines de ses attaques peuvent vous faire très mal. Lorsque vous ferez tomber tous ses PV, ce sont les 3 soldats qui le pilotent qui vous feront face. Un combat similaire à celui que vous avez fait un peu plus tôt à l'intérieur de la base. Une fois Omniborg et les soldats vaincus, faites le tour de la base pour constater que vous êtes enfermé à l'intérieur. Je vous laisse ici et vous retrouve dans une autre vidéo pour la suite de la Solus. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et à la partager, et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner.